Yo les gars, voilà, on est arrivé, regardez, à commencer l'exploration donc cette bâtisse ancienne bâtisse maison. Voilà, ok. Donc là, nouvelle vidéo urbex les amis. Alors, là qu'est-ce qu'on a? Ok, bon c'est pas très intéressant. Donc on vient vraiment de trouver, hein, on savait qu'il y avait un endroit abandonné, mais on avait encore des doutes, mais regardez comment c'est démoli là. C'est bien abîmé là, j'en parle le temps. Ça va dater des années 1600-1700. Quoique 1800 peut-être. Alors là, une pièce. Ouais, une bâtisse, pas un château. Montrer. Ah ok, là c'était la salle de principale, je pense. Une cheminée à l'époque. Ouais, alors là on a les oies, après ça a été, oui, il y a quand même la visite des personnes pas très bien intentionnées. Ok, donc ouais, deux salles. Ah, vous voyez le toit, il a été vraiment ravagé. Hein. Un peu plus grand, comme une cheminée, ah mais c'est sûr, mais non, mais c'est pas fini. Là on avait une ancienne fenêtre, eh, ça devait être vraiment beau hein, ici. C'est une grande fenêtre. Ok les gars, ok voilà c'est parti, je mets mon sac. Alors on va visiter la deuxième partie, tiens les arts, voilà il fait très beau hein, en cette journée, vraiment super beau, regarde un peu à quoi ça ressemblait. Là si j'ai tout, ok c'est parfait, c'est passé de l'autre côté. Ici, il doit peut-être avoir une ouverture, on va passer. Voilà, en tout cas, j'espère que ça vous fait plaisir cette vidéo urbex. Moi, forcément, hein, c'est vraiment encore génial de découvrir des lieux. C'est pas fini. Alors, là, c'est la deuxième partie de la grande maison, là, mon bâtisse. J'ai passé les bottes. Oh putain. Allez, la végétation a vraiment bien repris ses droits ici. Hein. Ça va être très compliqué de passer, mais bon, on va essayer. Ouais, il y a des lézards. C'est... J'aime bien quand même. Oh là là! Ok, d'accord. Bon, je vais faire. Il y a beaucoup de ronces et tout. Petite fenêtre à l'époque, donc ça, c'est la deuxième partie. Ah merde, il y a des frelons. Y a... Bon, bah les potes, on va faire attention parce que. Bon, regardez. Bon, on va faire attention parce que là, franchement, si c'est ça. Moi, je vais éviter de rentrer du coup. Alors, peut-être qu'on pourra passer, mais bon. Clairement, je sais pas. La charpente. Alors, on va essayer de passer. Merde, ça va être galère. Est-ce qu'on peut. Non. Y a pas de passage là-bas? Oula, 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 je vais tomber. Ok, les gars, voilà à quoi ressemble l'intérieur. Je sais pas du tout si je vais pouvoir rentrer, mais. Voilà un peu à quoi ça ressemble. Vous voyez la charpente, le toit qui a été vraiment. Ouais. Je sais pas comment il a été vraiment cassé, mais c'est très instable là où je suis. Vous voyez, je suis à la deuxième partie de la maison forte. Le nid de soi-disant frelon est là, il me semble. Je vais vraiment faire attention parce que c'est en général dans ces endroits-là qu'il y a des potentiels êtres vivants, des petits insectes. Ok les gens, je suis rentré à l'intérieur. Voilà comment ça se présume. Assez joli. Par contre ça fait mal parce que j'ai des épines. Le passage était très compliqué. Voilà. Une petite ouverture ici, bah, j'avais remarqué mais on pouvait pas passer. Là ça devait être. Bah, c'est là l'autre partie, là après il y a la cheminée. Vous voyez, bon c'est assez. Comment dire, c'est assez petit, ça devait pas être une très grande maison forte non plus. Je pense que c'était plus une maison, après bon, en ancien temps, vous voyez un peu comment pour passer que c'était galère. Alors, on va essayer de pas tomber, ça serait con. Ok, bon, oh là là, parcours du combattant. Ouh.
Waouh. Bon les gars, je suis rentré à l'intérieur. J'ai de la chance. Bon, là on a visité cette partie là. Bon, c'était pas si grand que ça au final, hein, vous voyez. Ça habitait une famille, je pense. Ouais. Après, il n'y a pas vraiment de chambre, je sais pas vraiment. Bon, on va re. Là, on a déjà été. Ah, sauf peut-être cette pièce là. Attendez. Je vais passer, voir. Bon, c'est pas le meilleur chemin à prendre. Ah, voilà. Là, je sais pas, mais on dirait que. Je fasse gaffe quand même. Il y a une pièce ici, il y avait une autre pièce là derrière. Il y a beaucoup de ronces. Hein. Ok, là je sais pas. Ah, peut-être une chambre ici, à l'époque. Voilà. Bon, on va continuer vite fait. Je vais prendre des photos en fait, hein, tout simplement. N'hésitez pas. D'ailleurs, les photos seront disponibles sur mon Instagram. Donc voilà. Ok, parfait. Ouais, là c'était clairement le salon quoi. Il y avait un peu tout le monde ici. Ouais, bah c'est tout, hein. On a tout visité. Hein. C'est pas si grand que ça au final, mais bon. Écoutez, c'est toujours ça de prix. Hein. Là il y a une deuxième partie. On peut pas accéder. Je me demande ce qu'il y a. Attendez. Ah non, c'est complètement. Complètement. Alors, on a cette partie-là à visiter. Bon. Ok, d'accord. Ah, ça, c'est des murs. Ça a été démoli ici. Ok, on va faire une autre photo. On va se rendre au spot, plusieurs spots d'urbex, c'est un peu loin mais voilà, on va être tranquille, on va manger là-bas. Regardez, pour l'instant, sur la route, c'est plutôt stylé, je fais une photo. Yo les gens, petite exploration, alors je vais faire très attention, donc là d'une ancienne maison qui est abandonnée et qui est carrément là dans l'eau, vous voyez, un petit étang, donc on va aller regarder, je vais faire quand même très attention. Donc, de l'ancienne maison. Donc ouais, j'ai mis mon sac là, regardez à quoi ça ressemble. Méga stylé. Ouais, on dirait qu'il y avait un moulin avant et tout. Ouais, là il est en ruine un peu. T'arrives Louis? Ouais. T'es avec l'écran et tout. Bon, faut, pour le passage c'était un peu dur mais... Ouais, il y a un autre truc à côté. Ouais, wow, regardez. Eh, c'est stylé hein. Putain, j'avais raison, je me suis bien douté qu'il y avait quelque chose ici. Ah ça c'est génial, une sorte de grand vie, du conduit. Là franchement ça devait être assez grand ici. Mais ça je sais pas à quoi ça servait. Ouais, un truc d'épuration et tout, de l'eau ou un truc pour pomper. Ça c'était une ancienne échelle. Par contre je sais pas, c'est pas très solide donc on va éviter. Ah oui, d'accord. Ah ouais, d'accord. C'est un grand trou. Voilà, là où c'est, ça va. Mais là où il est, il est même. Oh là là, il y a plein d'eau par contre.